Hello les voyageurs! Donc là, on se retrouve à Saint-Montant, dans un gîte, mais juste trop top. Ils sont adorables. Donc ça s'appelle Crème de Menthe. Crème de Menthe, on vous conseille Crème de Menthe. On va tout vous montrer. Des chambres magnifiques, des petits gîtes. Si vous voulez venir en famille, entre amis. Voilà, un petit couple qui vous accueillera, très gentil. Et vous verrez, il y a toutes les chambres sont différentes et tout. C'est juste dans un endroit magique. Ouais. Alors on va vous faire découvrir notre. L'endroit où on dort, fais nous visiter. Bon, ils nous ont mis quelque chose pour 4 personnes. Parce que Samy mange beaucoup. Voilà. Donc. Donc là, on a une petite kitchenette. Donc petite kitchenette. Pas mal, hein. Voilà. Si on veut faire des économies et puis se faire à manger tout seul, la popote. Voilà. Petit coin cuisine. Petit coin repas. Voilà. Petite pierre apparente, c'est beau, hein. C'est trop joli, c'est trop chou. Voilà. Donc là, il y a 2 lits. Si on vient à 4. Hey. Pas mal ça, hein? Donc, avec tout confort et salle de bain et toilette privative. Voilà. Et c'est nickel, ça sent bon. C'est propre, c'est bien situé en Ardèche. En niveau rapport qualité-prix, c'est le top. Que tu sois entre potes ou grande famille ou même des réunions, ouais. Chacun peut avoir son petit gîte et se retrouver autour d'un barbecue au bord de la piscine. Ouais, c'est bien. Franchement, il y a de quoi faire. Et il y en a pour tous les goûts. Exact, et vraiment bien situé. N'hésitez pas. Crème de menthe. Linda, c'est la plus petite rue. Une des plus petites rues de France. Ouais, je sais pas si je rentre mon cache. Si. Après tout ce que tu as entendu. Ouais. Là, on t'a bien entendu. Ah ouais. Là, c'est large. Oh, c'est énorme. Là, c'est large. Oh, oh là là. Coucou. Hey. C'est galère. Je vais bientôt marcher en crâne. Là, si vous venez dans la rue, n'allez pas manger chez Céline avant. Parce que tu vas rester coincé. Énorme. C'est énorme. Oh. Rentre-moi ce kirsch. Oh la classe. Ah d'accord. Moi j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Vous voulez quoi? On t'a coincé? Non. Vous voulez quoi comme la tête que tu fais? Moi si t'as oublié un truc là, si je vais faire un boulot. Non, j'ai pas les clés de la voiture. Non, c'est une blague. J'ai laissé là-haut. Non, je sais exactement où je les ai laissés en plus. Sur la table de la cuisine? Ouais. C'est pas vrai, non, ils se foutent de nous là. C'est pas vrai. Non, t'as vu, je savais qu'ils m'ont fait. Je l'aurais tué. On a le posé là. To accept you, accepting me. And I try to escape the fate awaiting me. On vous présente Nicolas, qui a une exploitation. Alors, on est où exactement? On est à La Louvèche, sur la commune du lac d'Issarès. Il fait tout lui, tout est transformé ici. Donc, Du début jusqu'à la fin. N'aie pas voir mes copines, les gars. Viens. Dis-lui, toi. Dis-lui, c'est pas normal ce que vous faites. C'est inadmissible. Tu pues la gueule. Je te cache pas que toi, tu dois pas. Non. Et bon, c'est normal. Hein. Ah, mais tu sens pas bon. Je te le dis. Le lait arrive dans les bidons, le lait de la traite, d'accord. Dans le 20 litres, et après ils sont transférés dans ces bassines. Le lait de la traite de vos chèvres, hein. Faut bien préciser. De nos chèvres. Et la traite matin et soir. D'accord. Ah oui, la traite matin et soir. Ça représente traite matin et soir. If you first showed me nice, a curse I. Linda l'a goûté. Je vais me sacrifier pour vous. J'ai l'impression que tu te sacrifies beaucoup pour les gens. Ouais, comme ça. À la glace, tu t'es sacrifié. Voilà. Je vais goûter aussi, alors là. Alors? Franchement, de ne pas venir ici, ça serait vraiment. Exactement. Ce serait du gâchis. And this heart cannot be fixed, cause I follow feeling. Du Pestrin à Meiras, donc c'est un gîte traditionnel, mais pas que, parce qu'en fait ici il y a 3 couchages insolites. Donc il y a une yourte, une roulotte et une bulle. Donc vous imaginez bien que vous avez le choix entre les 3. Nous on a choisi la bulle
C'est un endroit magique pour dormir, pour s'endormir à la belle étoile, sans les moustiques, parce qu'on est protégé par la bulle. Et la nuit, en fait, tout disparaît. On a vraiment l'impression d'être dehors. C'est ça. Comme on a les bruits, on est réveillé par les oiseaux, mais on n'a pas les petits insectes. Et on a vraiment le bénéfice d'être à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Donc pour les filles, je pense que c'est une bonne alternative au camping. I try to be happy. Be free. I try to accept you accepting me, and I try to escape the fate awaiting me and take time's noose from my neck so I can breathe. And this could be just for fun, just for kicks.